Je suis très contente de pouvoir accueillir aujourd'hui une personnalité très particulière. Bienvenue dans notre studio de télévision ici à Gießen, Heuchelheim, Père Montfort du Nigeria. Tout d'abord, j'ai une question à propos de la prière dont nous avons parlé durant notre première séance ensemble. Quelle est l'origine de cette prière très particulière? Oui, ma sœur Heike, je remercie Dieu de m'avoir amené ici. Je vous remercie aussi pour le travail que vous faites au service de Dieu. Cette prière n'est pas d'origine humaine. Cette prière a été donnée par Jésus-Christ lui-même. Elle a été dictée mot par mot par Jésus, puis a été écrite et a été diffusée. L'origine de cette prière est le cœur même de Jésus. Quand j'étais encore très petit, un petit garçon, Jésus m'est apparu un jour. Alors que je priais dans une chapelle, et il pleurait. Il disait, « Regarde mon cœur, ce cœur qui aime tellement l'humanité, mais ce cœur n'est pas aimé. Beaucoup de personnes ne m'aiment pas. Il n'y a que très peu d'entre elles qui viennent à moi. Je suis délaissé. Regarde-moi dans le tabernacle. Personne ne vient à moi, ou seulement très peu d'entre elles. Et je le vois commencer à pleurer. J'ai essayé de le consoler. J'ai dit, « Mon Jésus, je t'aime. » Et j'ai dit une prière d'amour. « Jésus, Marie, je vous aime. » Et Jésus m'a demandé de compléter ma prière avec « Soyez consolés ». Les paroles de la prière aujourd'hui sont « Jésus, Marie, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes. » Ainsi, quand j'ai dit cette prière, il a été consolé. La fois d'après, il est revenu et m'a montré son cœur. En ce temps-là, ce cœur avait perdu tellement de sang qu'il n'était plus rouge, mais tout pâle. Et il m'a dit, si tu peux rendre à ce cœur sa couleur rouge, le monde sera épargné. Je lui ai demandé, « Seigneur, comment puis-je rendre à ton cœur sa couleur rouge ?» Il a dit, « Je désire que tu trouves toi-même la réponse. » Étant petit garçon, je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait à faire, mais je suis allé poser la question à des personnes plus âgées que moi, certains de mes enseignants, et des personnes qui savent plus de choses à propos de Dieu. Aucun n'a pu me donner la réponse. J'ai essayé aussi de lire quelques livres et de réfléchir, mais je n'ai pas pu trouver de réponse. C'est ainsi que je suis retourné le voir, et il est revenu, et j'ai dit, « Seigneur, j'ai prié, cherché, demandé, je n'ai pas pu trouver de réponse. » S'il te plaît, il a dit, ne t'inquiète pas, je te donnerai la réponse. La fois d'après, il n'est plus apparu tout seul, mais avec Marie, son sacré cœur et le cœur immaculé de Marie. Et son sacré cœur perdait toujours son sang et le cœur immaculé de Marie était plein de plaies et saignait. Et il a dit,
La seule solution est de s'unir à ces deux cœurs blessés et saignants. J'ai une question. Vous m'avez parlé de trois apparitions du Seigneur quand vous étiez un petit garçon. Mais ne pouvez-vous pas en parler avec vos parents ou avec votre entourage, avec des prêtres? Ce n'était pas possible? Narrating about this apparition. It was really C'était my en effet mes parents à qui je pouvais parler en premier de ce que j'avais reçu de Jésus, ma mère, mon père, et ils étaient ouverts, ils m'ont écouté, ils l'ont accepté. Quand Jésus m'a dit, la seule solution est de s'unir à ces deux cœurs blessés et saignants, je lui ai demandé, Seigneur, comment puis-je m'unir? Comment pouvons-nous nous unir avec ces deux cœurs blessés et saignants? Nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas saints. Ces cœurs sont des cœurs purs et saints. Et il a dit, je t'apprendrai comment faire. Et il a commencé alors à m'apprendre cette prière. Il a dit la première partie de cette prière, Jésus, Marie, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes. Si tu pries cette prière régulièrement, constamment, tu seras changé, transformé en feu brûlant d'amour divin. Tu seras purifié. Et la deuxième partie de la prière, ô cœur d'amour, ô cœur uni pour toujours dans l'amour, donnez-moi la grâce de vous aimer toujours et aidez-moi à vous faire aimer. Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé et rendez-le-moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de votre amour. Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, mais accueillez-moi en vous et purifiez-moi par les flammes de votre amour. Accueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. Cette deuxième partie est la partie qui t'unira aux deux cœurs. Tout d'abord, tu entres dans les plaies du cœur immaculé de Marie. Ces plaies sont très profondes, mais elles sont étroites. Tu ne tomberas pas en dehors. Alors Marie t'amènera au cœur sacré de Jésus et t'uniras à lui. La troisième partie de la prière, ô pur amour, ô divin amour, transperce-moi de tes flèches et fais couler mon sang dans les plaies du cœur immaculé. Ô cœur immaculé, uni au cœur sacré pour donner vie, consolation, gloire et amour. Amen. Cette troisième partie de la prière est une prière de sacrifice de soi, d'immolation. Par cette prière, nous serons transpercés de manière mystique et notre sang coulera dans les plaies du cœur immaculé et à travers Marie, dans celle de Jésus. C'est une prière d'immolation et de sacrifice de soi. Et la quatrième partie de cette prière, ô Jésus, ô Marie, vous êtes les cœurs de l'amour, je vous aime, consumez-moi, je suis votre victime d'amour. C'est une prière de consommation. Nous sommes alors complètement immergés dans Jésus. La cinquième partie de cette prière est le résumé de tout. Ô cœur d'amour, consumez-moi, je suis votre victime d'amour. Amen. Par cette prière, Dieu fait de nous des victimes d'amour. Et c'est la plus grande vocation que nous puissions avoir. Jésus lui-même est une victime d'amour. Marie est une victime d'amour. Et si nous nous offrons nous-mêmes à Dieu de cette manière, nous serons nous aussi des victimes de son amour. Où en est cette prière aujourd'hui? Le Seigneur vous en a-t-il reparlé?
Je pense que vous avez encore très souvent ces apparitions, maintenant adulte, tout comme quand vous étiez petit garçon. Oui. Jésus continue à donner ses messages. Il continue à nous dire à quel point cette prière aide à le consoler et à sauver des âmes. Il a dit toujours, quand vous priez cette prière, c'est comme une explosion d'étoiles. Dans les ténèbres du monde, où sont la haine, la méchanceté et le péché. Cette prière est comme une explosion de lumière qui fait fuir ces ténèbres et qui rachète des âmes. Cette prière est très, très puissante quand il s'agit de nous unir nous-mêmes à Dieu et de contrer les ténèbres de la haine, de la méchanceté et du péché. Cette prière nous transforme en feu brûlant d'amour divin. Et Jésus a dit, parlant des promesses qu'il a lui-même liées à cette prière, « Ô cœur d'amour, ô comme j'aime être appelé ainsi, je suis vraiment un cœur d'amour, ainsi que ma mère. » Nous sommes cœur d'amour. Il a dit, tous ceux qui une seule fois dans leur vie m'invoqueront sous ce vocable, recevront le sceau protecteur des deux cœurs sur leur propre cœur. Il ne se perdra jamais. Chaque personne qui prie cette prière régulièrement sera transformée en feu brûlant d'amour divin. Et ce feu de l'amour divin ne peut pas être éteint. Si vous comparez les différents pays, pensez-vous que l'Allemagne a besoin de cette prière? Je pose cette question à cause de ses origines au Nigeria. Vous arrivez du Nigeria en Allemagne, et je pense que c'est une sorte de mission à vous, un message. Oui. Je pense que l'Allemagne est un pays très froid, avec beaucoup de problèmes. Partout où est un cœur, chaque personne qui a un cœur a besoin de cette prière. Et chaque endroit où il y a une personne qui a un cœur a besoin de cette prière. En Allemagne, il y a des personnes avec du cœur. Ils sont peut-être froids, mais ils ont du cœur. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes aimantes ici. Vous êtes absolument sûr? Oui. J'en ai rencontré beaucoup qui aiment vraiment beaucoup, qui s'impliquent beaucoup et qui espèrent l'arrivée du règne de l'amour de Dieu. Et nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail. À Fatima aussi, quand la Sainte Vierge est apparue, elle a dit aux petits enfants, Jacinta, Francisco et Lucia, que Dieu désire la vénération des deux cœurs ensemble. Et Lucia, qui est maintenant très âgée, elle a plus de 95 ans, a dit elle-même qu'ici en Allemagne, les deux cœurs régneront. Il y a donc déjà une grande promesse en ce qui concerne le règne des deux cœurs en Allemagne. C'est une nouvelle information pour moi. Ce n'est pas nouveau. L'Allemagne est déjà préparée. Et il y a beaucoup d'âmes ici qui sont préparées. J'ai aussi entendu que près de Munich, il y a également eu des messages à propos des deux cœurs, tout comme à Vienne. D'accord, les Bavarois et les habitants de Vienne sont sans doute à majorité catholique. Mais l'amour est pour chaque personne. Les cœurs d'amour sont pour chaque personne. Pour chaque personne. Et tous les chrétiens devraient savoir que les deux cœurs d'amour sont au centre de notre foi chrétienne. Il n'y a pas de différence vis-à-vis des protestants. On ne peut pas vraiment être chrétien sans éprouver d'amour pour les deux cœurs. Ce n'est pas possible. Car le Christ
Dieu fait homme est venu dans le monde en et par Marie. Ces deux cœurs, l'incarnation, est ce qui différencie les chrétiens des autres religions. L'incarnation, c'est ces deux cœurs, ce lien, cette alliance dans l'unité avec deux cœurs. C'est le salut, notre origine spécifiquement chrétienne, ce que nous célébrons, ce que nous prêchons, ce que nous vivons dans cette vénération des deux cœurs, tous les chrétiens. Que pensez-vous des projets actuels de Dieu en Allemagne aujourd'hui? Puisque vous m'avez dit que l'Allemagne est déjà préparée pour les deux cœurs d'amour, qu'en est-il des projets actuels? Dieu veut ériger des centres des cœurs d'amour en Allemagne. Il a déjà commencé à le faire dans les cœurs de beaucoup de personnes. Ceux qui vivent cette vie d'amour et qui prient cette prière d'amour, les cœurs de ceux-là sont déjà des centres d'amour. Et beaucoup de personnes prient cette prière et la vivent. Et à la maison, ils prient cette prière et vivent cette vie chez eux. Leur habitation devient des lieux où habite l'amour, des cœurs d'amour. Et dans beaucoup de maisons également, les cœurs d'amour ont été intronisés, ce que nous appelons intronisation des deux cœurs d'amour. L'Église universelle encourage cela, et cela a lieu dans beaucoup de pays. Ici, en Allemagne, cela continue aussi. Dans beaucoup d'habitations, les gens ont une petite chapelle ou une petite table, un coin où se trouvent des images des deux cœurs, des bougies, des fleurs. C'est très beau. Et c'est là qu'ils prient leur prière. Ils ont déjà commencé à introniser les deux cœurs dans leur maison. C'est un merveilleux début. Et très bientôt, Dieu rendra possible l'existence d'un grand centre des cœurs d'amour où tout le monde viendra. Cet endroit sera un endroit d'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Ce sera un endroit pour aider les pauvres. Les pauvres viendront là pour recevoir de l'aide. Les malades viendront là pour être guéris. Ceux qui sont tristes viendront là pour être consolés. Et Dieu versera ses bénédictions sur son peuple. Établir, développer. Parlons du but final du plan de Dieu. Le but final de Dieu est de réunir toutes choses dans le Christ, de réunir tous les cœurs dans les cœurs d'amour. Dieu a créé la terre par amour, et c'est sa volonté éternelle que son amour règne dans chaque cœur, dans chaque maison, dans le monde entier. Il désire que chaque cœur brûle de son amour, que la création entière soit le temple de sa sainteté, de sa gloire. Le monde a été créé pour être un lieu où rayonnera la gloire de Dieu. Et quand cela viendra, tous les yeux le verront, la gloire de Dieu rayonnera, cela viendra. Comme saint Paul l'a dit dans sa lettre aux Colossiens, Dieu veut réunir toutes choses dans le Christ. Toutes choses, tous les cœurs, et ceci est le projet des deux cœurs d'amour. Unir, amener toute personne à l'amour de Dieu, au cœur d'amour, et à la fin, ils seront tous accueillis dans la demeure du Père. Le Christ les amènera alors tous au Père, et nous unira au Père, à la très sainte Trinité. Quand cela arrivera-t-il? Cela arrive déjà maintenant, cela a déjà lieu. Oui, mais vous venez de me raconter que l'évolution vers le grand but final, qui est d'unir tous les cœurs au cœur d'amour, a déjà commencé. Combien de temps cela durera? Plusieurs années? 100 ans? Non.
C'est le temps de Dieu est le meilleur. Dieu sait combien de temps cela durera. C'est Dieu lui-même qui agit. Pour Dieu, tout est possible. Mais notre propre part, ce que Dieu nous demande en contribution, c'est de prier la prière, de vivre la vie d'amour et de diffuser les deux. C'est Dieu qui fait le reste. C'est comme quand le prêtre célèbre la messe. Que fait-il? Il dit la prière, il dit des paroles de consécration, il prend un bout de pain, il dit la prière de consécration, prenez et mangez, ceci est mon corps. Dieu fait le reste. C'est Dieu qui transforme le pain. Cette transformation, c'est Dieu même qui l'a fait. Car Dieu peut tout faire dans l'espace d'un clin d'œil. Il ne le fait pas en 10 ans et non plus en 1 an. Nous laisserons à Dieu le soin de décider quand il accomplira sa promesse, mais je suis sûr que Dieu le fera et qu'il est déjà en train de le faire. Et s'unir à Dieu ne dépend pas de la foi, protestant ou catholique? Cela ne joue aucun rôle? S'unir à Dieu dépend de notre disposition à être transformé par Dieu. Et cela, Dieu le donnera. Nous savons que quelques-uns de nos frères dans d'autres familles chrétiennes, comme les protestants, sont très ouverts à ce message des cœurs d'amour. Ils sont très, très ouverts. En vérité, il n'existe pas de cœur qui ne soit pas ouvert à l'amour. C'est parce que nous en avons besoin. Nos yeux ont besoin de lumière, nos oreilles ont besoin de paroles, de sons pour entendre, nos nez ont besoin d'air. Ainsi, le cœur a besoin d'amour. Il n'y a aucun cœur qui n'ait pas besoin d'amour. Dieu l'a créé ainsi, et il nous a créés par amour. Ainsi, nous ne pouvons vraiment pas éviter d'aimer et d'être aimés. Ceux qui n'aiment pas, qui n'ont pas besoin d'amour, n'existent pas. Que le meilleur moment est venu pour prier. Pourriez-vous prier pour nous la prière des deux cœurs d'amour? Nous le diffusons par caméra, par la télé, d'accord? Jésus, Marie, je vous aime. Ayez pitié de nous. Sauvez toutes les âmes. Amen. Ô cœur d'amour. Ô cœur uni pour toujours dans l'amour. Donnez-moi la grâce de vous aimer toujours et aidez-moi à vous faire aimer. Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé et rendez-le-moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de votre amour. Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, mais accueillez-moi en vous et purifiez-moi par les flammes de votre amour. Accueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. Ô pur amour, ô divin amour, transperce-moi de tes flèches et fais couler mon sang dans les plaies du cœur immaculé. Ô cœur immaculé, uni au cœur sacré pour donner vie, consolation, gloire et amour. Amen. Ô Jésus, ô Marie, vous êtes les cœurs de l'amour. Je vous aime. Consumez-moi. Je suis votre victime d'amour. Amen. Ô cœur d'amour, consumez-moi. Je suis votre victime d'amour. Amen. Merci, Père Montfort. Ceci est le fondement de votre association internationale de la Société catholique des deux cœurs d'amour. Vous vous répandez dans le monde entier. Vous êtes représenté, je pense,
en France, en Afrique, c'est un fait, ou en Corse. Oui, nous avons des membres dans beaucoup de pays du monde. Nigeria, l'Afrique étant le continent de naissance. Ici en Allemagne, nous avons des milliers de membres. En France, des centaines. Il y a des membres en Amérique, en Croatie, en Pologne, dans beaucoup de pays. Et même en Russie, il y a des personnes.